j'espère que vous allez bien. Nous voici donc à Dubaï, en train d'explorer, de commencer à explorer donc cette ville. On va se diriger vers la marina, on y est presque, qui se situe juste là-bas. On va se promener un petit peu du côté de la marina et ensuite on va retourner du côté de l'hôtel près de où il y a une petite balade super sympa aussi à faire. Bon, c'est parti, on y va. Comme je vous disais, on s'est promené du côté de la marina, c'est super sympa. Il y a plein de familles, on peut faire du vélo, de la trottinette, vous balader. Et il y a plein de cafés en fait, des cafés, des petits restaurants pour se poser et pour manger. Donc c'est vraiment super sympa, c'est agréable, surtout qu'il fait super bon. Oui, il y a plein de glaces partout, vous pouvez prendre une glace aussi, il y a plein de magasins, bref, c'est super sympa. Donc voilà pour la marina. Voilà, la Rasal, vous entendez l'Eden? Les mosquées au loin. Là, le soleil il est juste derrière moi, coucou. Et on est dans ce qu'on appelle The Walk. Sur le côté vous avez la plage, il y a des personnes qui se baignent d'ailleurs, il y a plein d'activités. Et alors il y a plein de cafés. Oui, il y a plein de cafés, plein de restaurants. Voilà, on arrive à la fin de cette première journée, on va dire après-midi, plutôt ici à Dubaï. Il fait super bon et limite même froid là. Franchement il fait froid, donc on va rentrer. Je ne sais pas si on va ressortir, mais je pense qu'on va rentrer, on va se poser. J'espère vraiment que cette petite journée avec nous vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye. Hello, good morning, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour cette deuxième journée à Dubaï. On va prendre le tramway et le métro pour nous rendre du côté du vieux Dubaï. Donc un peu d'authenticité, vous allez voir que c'est hyper charmant, il y a des souks, il y a voilà, jolie balade à se faire là-bas. Donc c'est parti, on y va. Donc le tram il est juste en face, on va chercher les tickets et on va prendre le bus, le tram, le métro, les transports en commun, pas de taxi. Bon, c'est parti pour l'aventure. On est ici la DMCC et on s'en va. On doit en fait aller prendre la ligne rouge et ensuite changer là et prendre la ligne verte pour aller du côté donc du vieux Dubaï qui se trouve ici. On va s'arrêter ici, comme ça on va pouvoir prendre le bateau et traverser. J'ai pris un pass pour la journée. On est tombé ici sur ce centre, c'est encore en construction, mais c'est super sympa. En fait, il y aura plein de petits musées, plein de petits commerces, vraiment super sympa. Mais pour l'instant, il y a que quelques, on va dire, maisonnettes qui sont ouvertes. Donc là, on va se rendre du côté là-bas. Vous voyez la mosquée qu'on voit là-bas, voilà, cette mosquée. Ah non, ici. Oui ma chérie, donc la mosquée qu'on voit là-bas, on va se rendre du côté là-bas, il y a le musée, le Dubai Museum, il y a également, en fait c'est le quartier Essif, il y en a qui appellent ça aussi la Bastakia, un super beau quartier, vous allez voir, très charmant aussi, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celui-ci. Voilà, bah écoutez, on va se rendre là-bas en marchant, ensuite on va prendre le bateau pour traverser, donc ils appellent ça The Creek, en abra, en bateau, ça coûte rien du tout, c'est genre un... Je crois que c'est un dirham pour traverser. Donc on va utiliser ce moyen de transport qui est super sympa. Ça permet bah voilà, de profiter du paysage en même temps. C'est super pratique. Donc voilà, allez, let's go. Voilà les fameuses abras que vous prenez pour traverser. On est enfin arrivé au grand souk Bourg Dubaï. Allez, on va faire un petit tour là-bas.
Re-coucou. Voilà, on est dans le quartier de Assif, le quartier Assif, en fait anciennement appelé Baltakia. C'est super joli, il y a plein de petits musées, des galeries, des cafés, c'est super sympa. Alors on a fait le musée de Dubaï qui est pas loin, qui est super bien fait, qui est ludique et très bien conçu pour les enfants, en tout cas les filles. Vous avez aimé le musée? Oui. Vania? Oui. C'était bien? Maman, je sais pas. Attends Vania. Donc voilà, là on va se promener un petit peu ici, dans le quartier de Assif. Et ensuite on va prendre le bateau pour aller du côté du Gold Souk, le Spicy Souk, etc. Ah, on a vu cet été, on continue, on va traverser the creek. Mariam, s'il te plaît. Donc on va traverser en prenant un petit bateau qui sont juste là-bas. Reprendre la route pour prendre le métro, on va partir du côté de Madinat Jumeirah, je pense, hein. On va voir, je vais regarder, mais je pense qu'on va faire ça. Donc on est dans le métro et on va se diriger du côté, tadam, vous voyez, il y a une rame spécialement pour les femmes et pour les enfants, vous voyez le petit signal qui est juste là. Donc encore une fois, on doit changer de métro et ensuite prendre un tram. On est au Emirates Mall. Bon, il y a des soldes partout puisque c'est encore la période du Dubai Shopping Festival. Voilà, donc il y a plein de soldes. On va pas faire les magasins. Oui, ma chérie. On va pas faire les magasins. On va juste prendre quelques petits trucs à manger. Et ensuite, on va se rendre du côté de Madinat Jumeirah. Ok, au passage, si jamais vous voulez faire du ski, c'est dans ce mall que vous pouvez faire du ski. Bon, pour le coup, aujourd'hui, on a testé le tram, le métro. Là, on est dans le bus. Tout est climatisé, propre. Bien indiqué. Donc là on est dans le bus 81 pour aller à Madinat Jumeirah. Vous voyez le Emirates Mall, il est juste là en fait. Vous arrêtez au MRT Emirates Mall et vous prenez ensuite le bus. Voilà, et donc toujours avec la carte, le pass journée. On y est, ça c'est le souk Madinat Jumeirah, vous voyez. Burj Al Arab, il est juste là. Allez, on y va les filles. Là ça y est, on est fatigué. Franchement c'était crevant le souk et tout ça parce que c'est un souk et toutes les deux minutes on vous arrête. Est-ce que tu veux acheter ça, de l'encens, est-ce que tu veux du safran, est-ce que tu veux ceci. Donc du coup c'est vrai que c'était épuisant ce matin. Donc ici le souk Madinat Jumeirah est hyper calme. Franchement il n'y a pas grand monde. Donc on s'est encore une fois arrêté à Cinnabon. On s'est arrêté à Cinnabon puisque les filles
Les filles ont trop aimé. Vous aimez bien les filles, c'est bon? Bah non, c'est trop sucré. Trop sucré, maintenant que t'as fini, tu dis que c'est trop sucré. Coucher du soleil ici. Coucou, good morning, j'espère que vous allez bien. On commence la troisième journée ici, on s'est arrêté à Burj Khalifa que vous voyez là-bas derrière. On se dirige vers City Walk qui se trouve du côté là-bas, d'aller du côté de City Walk et ensuite on continue donc d'explorer Dubaï. Ok, donc voilà, écoutez, on est à City Walk, donc en gros, le principe c'est une petite seigneur de ville, tout est neuf encore une fois, avec plein de boutiques. Les filles, on va faire un tour ici, il y a plein de boutiques de designers. Des cafés, beaucoup de choses en construction, vous voyez, il y a plein de boutiques qui ne sont pas encore ouvertes, des logements, des bureaux, c'est sympa, mais bon, voilà, franchement, venez les filles, on va faire un tour ici, franchement, les vêtements sont sympas, regardez comment c'est joli ça, est-ce qu'on va voir, oui, on voit. De City Walk, c'est de faire du shopping, de se balader en extérieur puisque c'est tout est à l'extérieur. Par contre, c'est vrai que là il fait bon, mais j'imagine pas me balader ici en été quand il fait chaud. Il y a vraiment pas mal de petits magasins, il y a plein de petits cafés, des petits restaurants, des magasins de déco, des magasins de fringues. On continue un peu la promenade et ensuite on va se diriger du côté de Burj Khalifa. On est revenu à la station de métro Dubai Mall et en fait vous avez un long couloir, un chemin qui vous emmène là-bas. Ce qui est cool, ça permet d'éviter la circulation et d'éviter la chaleur à l'extérieur. Donc voilà, bah écoutez, on va aller du côté de Dubai Mall, on va faire un petit tour. On va aller du côté de la tour Burj Khalifa, voir un peu ce qu'il y a autour et ensuite on terminera par la mer. Au Dubai Mall, inutile de vous dire que c'est juste gigantesque, limite ça donne mal à la tête, plein de magasins. Là on va au G pour nous rendre du côté de Dubai Aquarium. Donc Dubai Aquarium, on va revenir le faire demain matin ou après-demain. Donc on va se rendre au pied des fontaines. Ce mall il est juste dingue, il y a vraiment tout plein de magasins. Je ne sais pas combien de magasins, mais c'est vraiment le mall ici à Dubaï. D'ailleurs, les gens viennent même le visiter, pas forcément faire du shopping. Et donc, il se trouve au pied de Burj Khalifa. Voici le fameux aquarium de Dubaï. Donc, comme je vous disais, on reviendra pour visiter. La porte que vous voyez là-bas, c'est le côté qui donne accès au souk. Vous voyez un côté plus traditionnel où vous trouvez essentiellement des bijoux, abaya, des foulards. C'est super joli. Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a l'adhan puisque là c'est l'heure de Dohol et j'imagine qu'il y a des salles de prière. On est au souk El Baha. Bonjour. Ok, on est au souk Al-Bahar. Là, on est en train de têter ma petite glace. Et là, c'est ma petite glace. Ouais. D'après, on va pas tarder, on va rester un peu ici. On va se promener autour. Et on va aller du côté de Downtown. C'est pas loin d'ici. Downtown, et ensuite, on reprend le métro pour aller à la mer. Ok, mes filles? Mais pas de glace à la mer, vous avez choisi d'avoir ici. Bismillah. Bonjour. Non, vu la plus grosse tour du monde.
la plus grande. On est toujours au souk. En fait, au bout d'un moment, tout se ressemble. Vous retrouvez vraiment la même chose un peu partout. Que ce soit dans le vieux Dubaï, dans le Dubaï Market, Medina Jumeirah, ça se ressemble quand même énormément. Les filles ? Mais regardez comment c'est joli, franchement, c'est vraiment trop trop beau. Vous voyez l'architecture ? Je vous montre dans ce sens. Regardez comment c'est joli. On est en train de se promener ici dans ce qu'on appelle downtown. Donc vous avez le cadre là-bas là, avec les ailes. Sympa pour prendre des photos. Vous avez pour les enfants un grand toboggan. La dernière fois, les filles, on y va. Non, il peut pas, ma chérie, il peut pas. Et alors, il y a une grande esplanade pour les enfants. Enfin, pas que pour les enfants, mais en tout cas, les enfants peuvent s'amuser, se dépenser ici. Voilà, allez, on va repartir vers le métro. À quoi ressemblent les arrêts de bus. Donc ça, c'est un arrêt de bus avec la clim à l'intérieur. Et alors, hop, donc vous ouvrez ici à l'intérieur, hop. Et alors, vous avez un écran ici avec les horaires. On a pris un bus pour aller à la mer. Et finalement, sur la route, il y avait un stop pour voir la mosquée Jumeirah. Donc du coup, on va aller la voir. On va trouver un passage piéton pour passer de l'autre côté. De la journée, donc la mosquée, vous voyez la mosquée, elle est juste là, Jumeirah, direction la mer. Let's go les filles, on y va. Ça fait deux jours qu'on prend les transports en commun et franchement c'est pas mal débrouillé. Le seul truc, ce qui est embêtant, c'est que j'ai remarqué les chauffeurs de bus souvent ne connaissent pas. On y va, dernier stop de la journée. Donc en gros la mer, c'est une nouvelle plage ici à Dubaï avec plein de petits spots sympas pour prendre des photos et encore une fois plein de cafés, des restaurants, voilà. Écoutez, on va explorer un petit peu. Et un bus, le bus numéro 8, nous ramène directement chez nous. Ah, finally! Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc vous voyez que c'est possible de visiter Dubaï facilement avec des enfants. Donc j'étais seule avec 3 enfants. J'espère d'ailleurs que ça vous a vraiment plu. Alors ne soyez pas tristes puisqu'il y a la suite qui continue. On va continuer donc de visiter Dubaï, mais cette fois-ci avec papa. Hein, et aussi beaucoup de fun puisqu'on va faire un parc aquatique, on va faire d'autres parcs. Bref, je vous en dis pas plus. Vous aurez la vidéo très bientôt. N'hésitez pas non plus à aller voir Abu Dhabi, donc le vlog Abu Dhabi qui est déjà en ligne, et à me suivre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.